Bonjour. Bonjour Elban, bonjour Candice. Bonjour Zoé. Bonjour Emma. Bonjour Cyrielle. Bonjour Loïc, bonjour Jade, bonjour Élise, bonjour Nora. Bonjour Morgane. Vous n'êtes pas très nombreux ce matin. Parmi ceux qui sont là, du coup, qui est-ce qui a demandé à retourner en cours quand ce sera possible? Ça ne sert à rien. Bienvenue. Ah donc il y a un petit peu des deux. Alors par contre, du coup, j'ai pas encore mon emploi du temps à partir de la semaine prochaine. Et je sais pas quand est-ce que je pourrais faire des créneaux de live, sachant que je peux pas les faire au collège. Donc lundi, mardi, au moins en tout cas, il faudra demander de l'aide sur Teams, mais il y aura a priori pas de live lundi, mardi. Sauf si j'arrive à trouver tout de suite un créneau, mais pas sûr. Désolé. Bonjour Kylian, bonjour Camille.
Alors du coup, vous aviez du coup à faire mardi le cours partie 1 et les exercices 1 et 2 de la feuille 1. Donc c'était des rappels sur les triangles semblables, vraiment juste les bases. On va regarder ça ensemble. Ensuite, on va regarder les exercices 3, 4, 5 de la feuille 1, qui sont des exercices un peu plus avancés, on va dire, sur les triangles semblables. Et demain, du coup, on fera la suite du cours. Bonjour qui j'ai dit. Bonjour pas, je sais plus. Liane, Camille et Chloé, bonjour à vous. Allez, je vous mets l'écran et on regarde ça. Donc pour la partie 1 du cours, donc c'était des rappels sur les triangles semblables, sur le fait que deux triangles semblables ont des angles qui sont égaux et des longueurs qui sont proportionnelles les unes à l'autre, l'une à l'autre. Vous pouviez aller voir la vidéo que je vous avais mis en lien dans le cours si vous vouliez un petit peu plus d'infos et des petits rappels avant de commencer l'exercice qui était là. Et une fois que vous aviez fait ça, ben, vous pouviez du coup commencer à répondre aux questions. Donc, j'espère que ça a été. On va regarder ça ensemble et puis je répondrai si jamais il y a encore des questions. Donc montrer que ce sont deux triangles semblables. Donc pour que ce soit des triangles semblables, le plus simple c'est de montrer qu'ils ont des angles égaux. C'est ce que je vous avais dit dans la dernière vidéo et c'était le cas ici. Donc du coup on regarde un petit peu les angles et on se rend compte qu'il y a un petit peu les mêmes angles, hein. Le 37 on le retrouve tous les deux, dans les deux, mais il faudrait avoir le dernier angle à chaque fois pour être sûr. Donc ce qu'on fait c'est que on regarde la somme des angles dans un triangle, on sait que ça vaut 180 degrés. On fait 180 degrés moins les deux autres et on trouve à chaque fois l'angle qui manque. C'est ce qui a été fait dans le corrigé ici. Donc du coup, l'angle A du premier triangle qui est là, il fait 180 degrés moins 63 plus 37, ça fait 80 degrés. Ce qui fait dire que l'angle qui est là fait 80 degrés. Et en fait, on n'a même pas besoin de faire l'angle qui est là parce que si ici il y a 37 et 80, ça veut dire qu'il reste 63. Et si ici il y a 37 et 80, ça veut dire qu'il reste 63, forcément. Bonjour Julie. Donc du coup, à chaque fois, on a trois angles égaux, trois angles égaux. Donc ce sont bien des triangles semblables. Du coup, puisque ce sont des triangles semblables, ça veut dire que les longueurs de l'un sont proportionnelles aux longueurs de l'autre. Et du coup, quel est le coefficient de proportionnalité? Ben, on va regarder par exemple les côtés BC et B'C', qui sont des côtés qu'on appelle homologues, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans la même position quand le triangle est tourné de la même façon. Donc ce sont des côtés qui sont homologues. Et du coup, leurs longueurs vont être proportionnelles l'une par rapport à l'autre. Donc, pour savoir le coefficient de proportionnalité, on va chercher à passer du grand vers le petit. D'accord? Donc, on va passer de là à là en multipliant. Pour savoir par combien je multiplie, on fait l'opération inverse, c'est-à-dire qu'on fait une division. On fait 3 divisé par 4, c'est-à-dire qu'on On prend le sens inverse de la flèche et on fait la division au lieu de faire la multiplication. Donc on fait 3 divisé par 4,5, qui fait donc 2 tiers. Donc pour passer de là à là, je multiplierai par 2 tiers. Donc du coup, le coefficient qui permet de passer du grand triangle au petit triangle, c'est fois 2 tiers, donc 2 tiers. Et étant donné que c'est un coefficient qui est plus petit que 1, c'est un coefficient de réduction. Il va réduire la taille du triangle. Du coup, à l'aide du coefficient de proportionnalité qu'on vient de calculer, complétez les longueurs manquantes. En fait, c'est un coefficient de proportionnalité, donc vous pouvez le mettre avec une petite flèche à droite du tableau, qui descend le tableau et qui du coup fait fois 2 tiers. Effectivement, 4,5 fois 2 tiers, ça fait 3. Et on va faire la même chose pour les autres cases. Donc on va faire 2,75 fois 2 tiers. Et ça va donner du coup le résultat qu'on aura ici.
J'avais pas calculé d'ailleurs, je sais pas combien vous avez trouvé, vous. Et du coup, si dans un sens on fait fois 2 tiers, dans l'autre sens on fait divisé par 2 tiers. D'accord? Donc du coup, 2,73 divisé par 2 tiers. Et ça vous donne la réponse qui est là. Donc 1,83 visiblement pour la case qui était ici. Et pour la deuxième case ici. Combien vous avez trouvé? 4,1. Ok, donc normalement, voilà, c'était un nombre qui était plus grand. Ah mince, désolé Zoé. Attends, j'enlève ça. J'ai trouvé que c'était des symboles. 4,005 ou 4,1, ok. On va dire à peu près 4,1 pour ça. Alors ce serait du coup, si c'est 4,005, ce serait plutôt 4,01. Ou alors c'est Zoé peut-être qui a mis un 0 de trop, mais. Ok. Grosso modo, c'est ça, hein, voilà. Donc on fait fois 2 tiers dans un sens et divisé par 2 tiers dans l'autre. D'accord? C'est ce qu'on avait vu, ou alors on pouvait faire le produit en croix. Ça fois ça divisé par ça, et ça donne la case qui est là. Ensuite, ça fois ça divisé par ça, et ça donne la case qui est là. Produit en croix, ça marche aussi puisque c'est un tableau de proportionnalité. Et ensuite, une fois que vous aviez fait ça, donc vous deviez tracer donc les deux triangles sur votre feuille, et ensuite tracer les droites AA', BB' et CC'. Et qu'est-ce qu'on remarquait? Donc vous faisiez le premier triangle, ABC. Vous commenciez par tracer un trait de 4,5 cm en bas. Ensuite, 63 degrés à gauche, 37 degrés à droite, ou alors vous utilisiez le compas et les longueurs que vous aviez calculées. Et ça vous donnait le point A. Une fois que vous aviez ça, du coup, ça vous donnait un premier triangle. À côté de ça, vous en faisiez un deuxième. Donc du coup, pareil, vous faisiez la longueur du trait du bas, donc 3 cm, puis 63 degrés, 37 degrés. Et vous arriviez au point A. Et une fois que vous aviez fait ça, vous reliez les points. Donc AA', BB' et CC'. Et vous vous rendiez compte, si vous aviez bien fait votre construction, en fait, tous les points, ils arrivaient à un même endroit. Ils arrivaient à un point qu'on peut appeler O, par exemple, ici. Donc c'est quand même étonnant que quand on fait deux triangles, comme ça, qui sont quand même semblables, hein, c'est pas n'importe quel triangle, on relie leurs sommets qui correspondent entre eux. Et on obtient des droites qui se croisent pile au même point. On aurait pu obtenir deux droites qui se croisent à un point et puis la troisième passe ailleurs. Mais non, on obtient trois droites qui se croisent au même point. Et ça, c'est du coup un cas, on va dire, un petit peu particulier. C'est ce qu'on va pousser un petit peu plus loin après dans la suite du cours. D'accord? Mais on remarque que les trois droites se coupent en un même point. Et vous avez, ben, si vous aviez bien fait votre construction. Pour le moment, on en reste là. Et du coup, vous aviez donc deux petits exercices à faire, vraiment d'application très basique sur la redécouverte des triangles semblables, pour réappliquer un petit peu ce qu'il y avait dans le cours. Donc, justifier que les triangles ABC et EFG sont des triangles semblables. Pour ce faire, il fallait du coup calculer les angles qui manquaient et voir si c'était les mêmes. Et là, justifier que les triangles ABC et MNP sont des triangles semblables, il fallait du coup vérifier si les longueurs de l'un étaient proportionnelles aux longueurs de l'autre. Alors, on regarde ça un petit peu. Donc dans un triangle, la somme des angles vaut 180 degrés. Donc pour calculer l'angle qui manque, je fais 180 moins 27 plus 54, qui fait 99 degrés pour l'angle qui manque. Faire la même chose dans l'autre triangle, 180 moins 99 plus 27, ça fait qu'il me reste 54 degrés. Dans tous les cas, les deux triangles qui sont là ont des angles égaux, donc ce sont des triangles semblables. Donc ça, c'est la partie facile. Pas de questions pour ça, je suppose.
Alors, par contre, là, il y a un petit peu plus de choses à dire, surtout pour les exercices qui vont venir. C'est-à-dire que là, vous avez deux triangles qui peut-être sont semblables, peut-être pas, on va voir. D'accord ? Donc, j'ai essayé de vous noter la méthode. Donc, dans un premier temps, il faut regarder quels pourraient être les côtés homologues. C'est-à-dire qu'en fait, deux côtés homologues, c'est deux côtés qui se correspondent quand on met les triangles dans le même sens. C'est-à-dire que normalement, le plus grand de ce triangle-là doit correspondre au plus grand de ce triangle-là. Pareil, le plus petit qui est ici devra normalement correspondre au plus petit qui est ici. Donc pour ça, alors vous pouvez pas voir mes mains, mais le plus grand qui est là, c'est CB, et le plus grand qui est là, c'est MN. Et en fait, le plus petit est ici, donc il faudrait pivoter en fait le tri. Donc c'est pas forcément facile à imaginer. Donc pour ça, il y a un tableau qu'on peut remplir. C'est-à-dire qu'on met une ligne pour le petit triangle, une ligne pour le grand triangle. Et on fait correspondre les deux plus grands côtés ensemble et les deux plus petits côtés ensemble. Il y a les deux moyens qui sont donc au milieu. Alors donc, les deux plus grands ici, ce serait 6 et 9,6. Les deux plus petits, c'est 4 et du coup 6,4. Et puis du coup au milieu, on a 5 ici qui correspondrait au 8 ici. Alors on a pu s'embêter à imaginer les triangles tournés. C'est-à-dire que le plus grand du petit triangle correspondra forcément au plus grand du petit. Ça sert à rien. Bienvenue. Donc une fois qu'on a fait ça, on sait du coup quel côté correspondra à quel côté dans le petit et dans le grand. Dans le petit et dans le grand. D'accord ? On va donc pouvoir vérifier si les longueurs sont bien proportionnelles. Donc, pour savoir si c'est proportionnel, il y a plusieurs méthodes. Celle que j'ai utilisée ici, c'est de faire 9,6 divisé par 6, 8 divisé par 5, 6,4 divisé par 4. En gros, je trouve par combien je vais pouvoir multiplier pour passer de la première ligne à la deuxième ligne. Et si dans un sens on multiplie, dans l'autre sens on divise. Donc ici, pour multiplier dans un sens, je fais 9,6 divisé par 6. La même chose partout. Et là, à chaque fois, on obtenait 1,6, 1,6, 1,6. Donc, on a bien à chaque fois le même coefficient de proportionnalité. Donc, les longueurs du triangle MNP, le grand, sont proportionnelles à celles du petit. Et ici, donc, on a un rapport d'agrandissement. Alors, pourquoi agrandissement ? Parce qu'il est plus grand que 1. Entre les deux triangles. Un rapport d'agrandissement parce qu'il permet de passer du petit au grand. Et si vous voulez pas vous mouiller en dire agrandissement ou réduction, vous dites un rapport de un coefficient de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité entre les petites et les grandes, c'est 1,6. Et donc on obtient donc deux triangles qui sont semblables puisque leurs longueurs sont proportionnelles. Donc avec les longueurs, ça demande un petit peu plus de pratique et de travail. Alors c'est un petit peu plus difficile. Et là, avec ça, vous avez vraiment toutes les techniques de base. Alors, pour aujourd'hui, vous allez avoir à faire les exercices 3, 4 et 5. J'ai pas demandé s'il y avait des questions, mais n'hésitez pas s'il y en a. Et donc pour aujourd'hui, vous allez avoir à faire les exercices 3, 4, 5. Donc il y aura d'abord le 3 et 4 qui sont pas trop difficiles. Ouais, c'est un petit peu particulier quand même. Le 4, il est très classique. Et le 5, qui est assez classique en fait, qui ressemblera beaucoup à celui-ci, mais qui est dans un cas appliqué. Ok, donc pas de questions a priori. Très bien. Alors, 2-3 indices pour vous aider à résoudre ça. Donc, dans le triangle ABC, donc le grand triangle qui est là, on sait que D ici est au milieu de AC. Et on sait que E est au milieu de BC. En plus de ça, on sait que la longueur AB mesure deux fois la longueur DE. Et donc ce qu'on vous demande, c'est de montrer que les triangles ABC et CDE sont des triangles semblables. Donc, a priori, on n'a pas d'infos sur les angles.
Donc on va devoir utiliser les longueurs. Donc on va devoir faire un tableau un petit peu comme ça. Où on va avoir le triangle ABC et le triangle ADE, non CDE, pardon. Ah, donc petit triangle en triangle. Et il va falloir essayer de montrer qu'on peut passer de l'un à l'autre en multipliant par un coefficient de proportionnalité. D'accord ? Et il va falloir du coup justifier pourquoi je peux passer des longueurs du petit triangle aux longueurs du grand triangle en respectant justement ce fameux coefficient de proportionnalité. Donc si vous êtes un petit peu bloqué, que vous ne savez pas trop comment l'aborder, commencez par remplir ce tableau-là en utilisant un petit peu la même méthode que ce que j'ai mis ici. Alors là, l'avantage, c'est qu'on sait directement quel côté correspond à quel côté. C'est-à-dire que le côté de gauche ici correspond au grand côté ici, le côté de droite ici correspond au grand côté de droite ici, et le côté en bas correspond au grand côté en bas ici. Sont déjà dans le même sens en fait. D'accord, donc vous savez déjà quel côté va avec quel côté. Vous pouvez aussi les redessiner côte à côte si vous préférez. D'accord. Donc voilà ce que vous avez à faire. Donc celui-ci est peut-être un petit peu particulier. Celui-ci correspond, je crois, j'ai plus en tête la vidéo, mais je crois qu'il correspond à la vidéo méthode ici. Donc si vous avez besoin d'un coup de main, je crois que vous pouvez retourner voir la vidéo méthode que je vous avais donnée. Donc, dans la figure 6 contre, vous avez pareil, deux triangles, un petit et un grand. Pareil, vous pouvez les redessiner côte à côte si vous préférez être dans la même configuration, on va dire que ça. Donc on vous donne des longueurs, AB 3 cm, AD 4 cm, donc on a le petit côté et le grand côté, AE 7 cm, et on vous demande la longueur AC, alors donc la petite longueur ici. Ah, pareil, si vous êtes bloqué, vous savez qu'on n'a pas trop d'infos sur les angles. Ça ne sert à rien. Bienvenue. On n'a pas trop d'infos sur les angles, donc il va falloir utiliser les longueurs, donc à un moment ou à un autre, il va falloir faire ce tableau avec le grand côté, enfin les côtés qui se correspondent entre eux, les côtés homologues. Du coup, justement, sur ces triangles-là, c'est pareil, ils sont disposés de la même façon. Donc les côtés homologues, on les a déjà, c'est-à-dire que celui-ci correspond à celui-là, le petit en bas correspond au grand en bas, et le petit à gauche correspond au grand à gauche. On sait déjà quel côté va aller avec quel côté. Donc on va faire ça. Et on va remplir le tableau comme on a rempli dans l'exercice précédent. Et on va voir du coup si en ayant rempli les données du tableau, pareil, on peut trouver le coefficient de proportionnalité ou on peut trouver la longueur qui nous manque. Voilà. Donc celui-ci est presque plus classique finalement que le 3. On aurait pu inverser les deux. Très grave, je vais peut-être y arriver quand même. Mais voilà, paniquez pas si vous avez un peu de mal sur le 3. Et du coup, vous avez donc, pour terminer, cet exercice 5. Donc, qui explique un petit peu la méthode qui était utilisée avant pour mesurer la taille d'objets un peu long, un peu haut. Voilà, par exemple, la taille d'un arbre, la taille d'un bâtiment. Donc, ce qu'on faisait, c'est que on prenait deux bâtons droits. Comme ça, on les mettait à angle droit et on mesurait leur longueur. Donc là, par exemple, le bâton du bas fait 50 cm et le bâton du haut fait 30 cm. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on se mettait devant un objet qu'on voulait mesurer. On mesurait certaines longueurs. Donc on savait déjà que là, ici, notre longueur faisait 50 cm, celle-ci faisait 30. Et ensuite, on mesurait la distance donc, qui nous séparait de l'objet. Et on faisait en sorte donc, de tenir donc, la pointe bien à l'horizontale là. Ensuite, d'aligner le sommet de l'objet qu'on voulait mesurer avec la pointe qui était là. Donc en fait, ça faisait deux triangles. Un petit triangle et un grand triangle qui était ici. Et on remesurait d'autres longueurs comme ce qui a été mesuré ici. Et donc avec ça, on obtenait en fait quasiment la même situation que là. Pas tout à fait... pareil, hein, évidemment, sinon ça vaudrait pas le coup, mais un petit peu la même solution, la même situation qu'ici, avec un petit triangle et un grand triangle. Et de ça,
Ça nous permettait de déterminer les longueurs du grand triangle qui nous manquait, et donc la taille de l'objet qu'on avait au total. Donc même chose, c'est pareil, vous allez rajouter des lettres ici. Ça ne sert à rien. Vous allez rajouter des lettres ici sur les points qui n'ont pas été nommés. Vous allez avoir un petit triangle, un grand triangle, et toujours, même méthode, les grands côtés avec les grands côtés, les petits avec les petits, les côtés homologues entre eux si vous préférez. Et du coup, voir quelles sont dans ce tableau-là les longueurs qui vous manquent, quelles sont les longueurs que vous avez, et comment vous pouvez calculer du coup les autres longueurs. Que ce sont du coup des triangles semblables. Donc voilà un petit peu ce que vous allez devoir faire aujourd'hui. Si vous vous sentez pas encore trop à l'aise, qu'au fait plutôt dans l'ordre 4, 3 et 5. C'est a priori l'ordre de difficulté. Peut-être que vous allez trouver des difficultés, que vous allez préférer 4, 5, 3. Enfin voilà, le 3 peut être un peu particulier. Ça se trouve le 3, vous allez le trouver très simple une fois que vous allez avoir fait le tableau. Mais en tout cas, dans ces trois exercices-là, commencez par faire un tableau et mettez les infos que vous connaissez dedans. Vous allez voir, ils vont tout de suite vous paraître un peu plus simples. Sachant que ce sont des exercices un petit peu avancés sur les triangles semblables. C'est histoire de réactiver deux, trois petites choses sur les triangles semblables. Voilà. Pour les exercices 3, en fait, on sait déjà qu'ils sont semblables, mais il faut le montrer. D'accord ? Donc, on verra après, mais étant donné que D et E sont au milieu ici, on sait que ce sont des triangles semblables, déjà. Mais du coup, il faut le démontrer. Donc du coup, prouver pourquoi ce sont des triangles semblables. Et c'est lié au fait que D et E soient au milieu de leur segment. Et vous allez voir ça quand vous allez faire les longueurs un petit peu. Sachant qu'ici, dans cet exercice-là, vous n'aurez pas de nombre, en fait. Hein. Faudra tout faire avec les longueurs et trouver des choses comme ça. AB, par exemple, c'est 2DE. Donc, le coefficient de proportionnalité entre AB et DE, c'est 2. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée de travail, bon courage pour ces trois exercices-là, ils sont plus durs que les précédents, et puis les bases, là, cette fois-ci. Faites ce que vous pouvez dedans, et puis on voit les corrections du coup demain. Allez, merci à tous, et bonne journée.